Nos visiter, je connais là de t'as pas changé, toujours ça dit la vérité, ça dit la vie des étrangers, la vie de l'amitié, tout ça, là tu connais, maintenant je viens vous parler, c'est une histoire de cœur, la crise à vos verres au coach, voilà, ça a commencé d'un regard, ça finit à la haine. D'un regard à la haine, de l'amour à la haine, de la haine à l'amour, voilà, comment dire, tu connais le dicton. La fille, elle a commencé à se mettre dans la fuf, puis elle a sniffé un peu, à cacher le matériel qu'il fallait dans ses dessous, voilà. Et après, lui, il a commencé à faire son match, il a commencé à la faire tapiner, ça, ça le met dans le nez, voilà. Tu connais, tu connais. Voilà. Et encore, j'ai pas tout dit encore. Hein. Il tapait sur sa femme. Voilà. Il a trompé à droite à gauche. Voilà. Il a foutu sur les sites porno. Voilà. Il foutait des vidéos sur YouTube. Voilà, voilà. Et encore, moi, un homme qui fait ça, ça fait même pas un homme. Tu connais du temps, non? Parce qu'il a voulu la taper. Et en plus de ça, il a voulu la mettre sur la 113. Je crois qu'il y a un brûleur, je crois que ça ne déroule pas vite. Putain, sa vie, c'est pas banal. En plus de ça, elle s'est frappée, elle a toujours mal. Elle est excitée, une gosse. Elle, tous les soirs, elle a tout un blanc. Tous les soirs, elle perd les larmes qui roulent, sur ta joue. Putain, ça allait, tout ce que tu veux. Ça allait de rage. Qu'autre qu'à faire, c'est vouloir le ratatata. Il coupe la gorge. Il coupe les couilles pour lui faire subir tout ce qu'elle a subi. Mais bon, elle a pas le courage de le faire. Elle a peur de faire partir en prison et ses enfants aillent à la DAF ou en foyer, qu'est-ce que tu veux. Maintenant, tu reconnais c'est qui, de qui je parle. Je prends bien sûr. Tu sais quoi, je vais même pas dire le nom, ça sert à rien. Après, il va trop avoir de moquerie pour les gens qui me connaissent. Du coup, on peut être au bordeur et le pire à chaque fois que la femme dit « Vas-y, casse-toi, allongement !» Il l'a supplié, elle ne voulait pas le mettre à la porte. Non, pas parce qu'elle aimait. Elle aimait pas, elle aimait juste à la tête pour faire chier sa mère et sa famille, parce que sa famille d'elle ne l'aimait pas à lui.